Dans mon entourage, tout le monde parle de l'épargne pension. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? L'épargne pension est en fait constituée de quatre grands piliers. On a le premier pilier qui est la pension légale. Ce sont des droits à la pension qu'on se constitue automatiquement tout au long de la carrière active. À la fin, elle est payée par l'État sous forme d'un montant mensuel. Le deuxième pilier, ça se fait via l'employeur ou via votre activité professionnelle. Vous la constituez aussi tout au long de votre carrière et pourrez en profiter alors à votre retraite. Le troisième pilier, ça se fait sur votre propre initiative. C'est ce qu'on appelle l'épargne pension fiscale. Donc ce sont des montants qui sont prédéfinis et sur lesquels vous bénéficiez d'un avantage fiscal. Le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle l'épargne libre. C'est aussi sur votre propre initiative, mais vous ne bénéficiez pas d'un avantage fiscal. Alors quand on parle de l'épargne pension, généralement on parle du troisième pilier, donc l'épargne pension fiscalisée. Vous voulez en savoir plus sur cette question ou d'autres questions capitales? Je vous invite à aller consulter notre site nn.be et de nous suivre sur nos autres plateformes.